Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, moi c'est Émilie, j'ai 20 ans, j'habite sur Nantes et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Alors voilà, j'ai décidé de me lancer sur YouTube, donc ma chaîne YouTube elle va s'appeler Émimotive. Alors pourquoi Émimotive? Parce que de mon prénom Émilie, donc Émi de diminutif. Émotif parce que c'est un trait de ma personnalité. Et quand je commence quelque chose, je suis toujours motivée pour le faire et pour le finir. Donc voilà, donc sur ma chaîne YouTube, on va parler de deux sujets principaux. Donc le sport et la nutrition. Pourquoi ces sujets-là? Parce que c'est des sujets qui me passionnent et que j'adore faire au quotidien. Et on va parler un peu plus de haul. Donc je ferai un peu plus de haul, beauté, décoration, maquillage, etc. Parce que c'est des choses qui plaisent, on va dire, la plupart du temps et qui reviennent couramment. Et j'essaierai de faire des vlogs. Donc ça, on verra un peu plus tard si j'ai du contenu ou autre. Mais voilà. Donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce qui vous plaît le plus, si c'est les vidéos face à face ou si des vlogs, ça vous tenterait également. Mais voilà, j'aimerais bien essayer ce format-là de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram, je vous mettrai mon nom dans la barre d'infos. Donc sur ce compte, je vais essayer d'apporter un peu plus de contenu en lien avec ma chaîne YouTube, avec des photos, des recettes, des explications, des conseils, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Donc voilà, donc là je suis en train de réfléchir à une prochaine vidéo, donc je vais essayer de vous faire une journée type dans mon assiette. Où je vous présenterai un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Donc des idées de recettes qui sont simples à faire mais qui sont saines et gourmandes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de recettes ou autre. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bisous.